أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام على القتيل المظلوم السلام على الرضيع الصغير شيخ خير شيخ سير تي شيخ زنفان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توت نسان سير كونديليانس à l'occasion de Muharram, le mois de l'imam Hussein alayhi salam, et le mois de la tristesse et le mois du deuil pour l'imam Hussein alayhi salam. Alors cette année-ci, j'aimerais bien vous parler à propos des enfants qui ont joué un rôle important dans l'événement de Karbala, ou bien les enfants qui ont été présents dans l'événement de Karbala. Autrement dit, le rôle des enfants. Comme l'imam Hussein, paix sur lui, était avec sa famille, et normalement, il avait amené et ses enfants, ses filles, ses garçons. Parmi eux, il y avait d'un nourrisson, qu'il s'agit de Ali Asghar, qui est tombé martyr alors qu'il avait 6 mois. Parmi eux, il y avait Ruqayya, la fille de l'imam Hussein. Il est tombé, il est mort à cause de la tristesse à Cham. Parmi les martyrs d'événement de Karbala, on peut compter les deux fils de Muslim ibn Aghil qui sont tombés martyrs à Koufa. Parmi les enfants qui se sont présentés à l'événement de Karbala, il faut les adolescents, surtout les adolescents, il faut pas oublier Qasim ibn Hassan, il faut pas oublier Abdullah ibn Hassan. Ce sont des gens, des enfants, des adolescents qui sont tombés martyrs pendant ou bien à cause de l'événement de Karbala. Alors, la présence magnifique des enfants avec l'imam Hussein alayhi salam a donné une autre couleur, une autre saveur à l'événement de Karbala. Parce que c'est reconnu, tout le monde connaît parmi nous, on dit imam Hussein, paix sur lui, avait un soldat âgé de 6 mois. Oui, c'est vrai. Il avait un soldat âgé de 6 mois. Il s'agit de Ali ibn al-Asghar. Ali Asghar, ce qu'on dit, Abdullah al-Radi. Radi, c'est-à-dire nourrisson. Et nous avons un ziyarat qui s'appelle ziyarat de Nahiyah Muqaddasa, ziyarat des zones sacrées. C'est la ziyarat faite par l'imam Mahdi alayhi salam. Dans cette ziyarat, on récite comme suivant: Assalamu ala al-radi' al-saghir. Assalamu ala al-radi' al-saghir, c'est-à-dire que la paix soit sur le nourrisson qui était petit. Oui. Il était petit, vraiment il était petit, parce que il avait que six mois. Alors, avec son âge de 6 mois, il était un soldat pour se sacrifier sur le chemin de Dieu. Je vous parlerai, Inch'Allah, à la prochaine fois sur le même sujet, surtout sur Ali ibn al-Asghar, salam Allahi alayhi. Merci beaucoup. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.